comptait sur ce match contre Montpellier pour faire le point. Recatastrophe, il doit se priver de Sonore, Petit, Thuram et Djorkaeff. C'est beaucoup trop et on s'en aperçoit très vite. Mais Dibert met à côté. Ensuite, Monaco reprend les choses en main, mais toujours avec maladresse. Niaco lance pour Ikpeba, talonnade, Klinsmann à côté. Klinsmann, pourtant auteur de 3 buts en match amical cette semaine contre l'Inter de Milan, est toujours sur les bons coups. Barabé tarde à dégager. Récupération de Klinsmann. Loret sauve une première fois sur sa ligne et une seconde sur cette frappe de Niaco. Mi-temps 0-0. Monaco n'est guère rassuré et guère rassurant. 17 minutes après la reprise, coup de théâtre. Hasanovic lance Rizzetto sur la gauche. Tête à tête, Valéry Rizzetto qui s'écroule. Pénalty décide sans hésiter Monsieur Sarr. Mais à première vue, le ralenti ne lui donne pas raison. En tout cas, Hasanovic, lui, ne rate pas l'occasion d'ouvrir la marque. 1-0. Stupeur à Louis II. Ce but va tétaniser les joueurs de Monaco qui en encaissent un second à la 76e minute sur lequel, cette fois, il n'y a rien à redire, sauf sur la défense monégasque d'Erzakarian. Lefebvre en force, 2-0, bravo. Monaco, ridiculisé, va quand même sauver l'honneur à 2 minutes de la fin. Centre de Simba, Chifo, Klinsmann, 2-1. J'attends avec impatience.